Salut à tous, c'est Cassie, on se retrouve, déjà je fais n'importe quoi, on se retrouve donc pour l'épisode 10 du Let's Play des 100 bébés, avec Harmony qui venait d'accoucher de Neneuf, fils qu'elle avait eu avec Yann l'extraterrestre, qui finalement est tout seul et humain. Voilà, donc on est en train de faire monter les barres avec Patrick, qui s'est invité, pour enchaîner directement dessus. Voilà, voilà. Donc, bien avancé. Donc, ça fait déjà plusieurs heures qu'ils discutent. On avait agrandi la chambre pour un lit supplémentaire. Faudra d'ailleurs qu'on... Oh ! Il clignote, regardez. Elle a arrêté. Ça clignote. Merci, la mage. Donc on avait, oui, augmenté la capacité donc d'un lit, il faudra recommencer pour avant que Neneuf se devienne un enfant. Et puis on avait aussi rajouté donc une chaîne IFI, un peu plus sympa pour augmenter le divertissement, ça va beaucoup mieux. Bénéfique, j'étais en train de me demander si on n'allait pas déménager aussi, parce que là le coin il est très joli mais il me convient pas du tout, il n'y a pas d'endroit pour pêcher, il n'y a pas grand monde qui passe, toujours les mêmes, beaucoup de nanas. Voilà, donc on va peut-être explorer un peu d'autres horizons. Ça peut être pas mal. Ah, il est content. Hop. Et bébé qui crie toujours dans des moments plus ou moins romantiques. Allez, on essaye. Voilà, très bien, ça marche. Hop, et puis, c'est de faire un bébé. Voilà, Patrick. Ah bah, l'autre, elle est levée, très bien. Ne va pas dans la chambre de maman, surtout, tu vas être choquée. Tatala. Donc, comment il s'appelle? Goopix, donc, il avait popé, enfin, avait popé, non, était devenu un ado, on avait un peu relooké... sa tronche, et finalement je pense qu'il finira lui sur la galerie. On avait changé aussi la coupe de Sulfura qui était affreuse. Voilà, donc oui, effectivement, quand il passera Goopif, quand il passera jeune adulte, je le mettrai sur la galerie. Donc comme je vous disais, à chaque fois qu'il y a des beaux gosses, que ce soit fille ou garçon, je partage, donc n'hésitez pas à vous servir, ça c'est fait pour. J'en ai d'ailleurs pas mal qui viennent de mon premier challenge des 100 bébés, qui est sous forme d'histoire. En pause sur le forum officiel. Et puis dans le sens inverse, si vous voulez que je me serve de vos beaux gosses à vous pour faire des bébés avec Harmony, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi vos idées origines, que je les retrouve sur la galerie. C'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Le test plutôt. Si jamais, voilà, vous voulez vous impliquer, si vous, ça vous dit de partager comme ça les Sims... Je les récupérerai et je m'en servirai pour les prochains papas. Puisqu'il y a... Ah voilà. Il n'y a aucune restriction concernant l'origine du papa. Donc comme je disais, ils peuvent être des PNJ, passer dans le coin, je peux les avoir créés, je peux les récupérer de la galerie, voilà. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Alors. Hop. Ça fait 15 fois que tu dis que tu t'en vas. Mais pourquoi elle arrête? C'est pas du possible. Mais il y a rien d'autre, il y a personne qui vient là dans le dans la salle de bain, tu peux te laver. Là ça commence à me pomper. Ça m'avait fait le même coup à la vidéo précédente. Pourquoi ça s'arrête directement? Putain, il y a vraiment un bug. Pardon, je suis grossière. Oui, non, gros problème dans la mise à jour là. C'est dingue. Bon, je vais tester quelque chose. Mmh.
D'ailleurs, j'ai agrandi la chambre l'autre fois, mais j'ai pas du tout surveillé le toit. N'importe quoi. Voilà. Mais viens là. On va tester avec une baignoire, voir si ça foire autant. 250. 950. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ça, comme ça. Harmonie, je suis navrée, ça va te dégager. Ah, pas dans le bon sens. Ah non! Ah, elle est passée où? Ah. Bon, le miroir. On va foutre là. Voilà. Donc, viens voir un peu. Si tu prends un bain, est-ce que le bain te vire directement ou pas? Eh oui, non mais il y a vraiment un problème là. Bon, je ne sais pas quoi faire. Ça commence à me pomper. Bon. Non mais c'est pas possible. Donc désactiver l'autonomie, ça servait à rien en fait. Bon, écoutez, tant pis. Ça, tout c'est fini. Bah oui, mais bon, du coup, Harmonie vient là, quoi. Elle, faut manger. Toi, tu poirotes là. Tu vas faire tes devoirs. Ah non, ça c'est déjà fait. On va voir si tu peux te laver, toi. Oula, t'es en train de bugger. Alors, fais voir. Pas de problème pour les toilettes. Et elle ressort aussi. Non, écoutez les gens, il y a un bug avec le avec le fait de se laver. Mais bon, comme je vous dis, j'enregistre un peu en avance mes vidéos, donc le temps que celle-là soit postée, c'est fort probable que le bug ait été largement signalé et expliqué sur le forum. Donc je râle pour pas grand-chose en fait, probablement. J'ai l'impression de perdre tous mes moyens. Ils peuvent rien faire. Je ne comprends pas. Ça commence à me gonfler. Comment je vais faire pour les laver? Comment je vais faire pour les laver? Si je rajoute... On va essayer une douche dehors. Il y a un bug avec la maison, j'en sais rien. Voyons. Ah bah il y a un bug avec la maison. Enfin je sais pas si c'est un bug avec la maison ou s'il y a un élément qui fait que. Je sais pas du tout si... Alors là je saurais pas du tout régler le problème. Donc, ou alors, attendez, je vais essayer un truc. Ok, donc le but c'était pas ça du tout. Alors toi, apaise.
On va voir si je peux faire ce que je veux. C'est bon, elle dort? Ouais, non. Donc je pensais que peut-être éventuellement c'était à cause de bébé qui pleure. Vous savez comment... De la même façon que ça gêne les gens qui dorment, peut-être que... Je sais pas, ça avait un bug avec la douche, mais... C'est pas grave. Donc toi, peut-être que tu manges. Il y en a aucun qui va avoir le temps de faire les devoirs et tout, là. Alors, voilà, voilà. Là, c'est la catastrophe, hein, au niveau des compétences, des devoirs et tout ça. Merci les mises à jour. C'est la cata apostrophe. On dirait tous des zombies là, je suis vraiment pas habituée à jouer sans autonomie, hein, je vous avoue. Non, il y a tout le monde qui est plus ou moins bien. Tout le monde y va aller à l'école, allez. Ça c'est fait. Alors du coup, sachant qu'il n'y a plus personne et que bébé dort, est-ce que ça va marcher ou pas? Je teste, hein. Non, il y a un bug. Donc, what? Ah, mais et? J'ai l'impression qu'ils ressortent à chaque fois parce qu'ils sont offensés. Oui, le mur, il est bien là. Non, ça c'est bon. Et si je change la porte? Peut-être que c'est un problème de porte. Les fenêtres, elles sont trop hautes pour qu'ils soient offensés. Alors, comment elle réagit? Ouais, non, non. Il y a un problème de... Au niveau de... De la gêne, en fait. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? La porte, ça sert à rien. Ok, donc déjà, le bug est résolu. Enfin, résolu. J'ai trouvé la cause. Enfin, ce qui les fait réagir comme ça. Mais je comprends pas pourquoi, ça c'est certain. Mais si ça se trouve, bah maintenant que je l'ai trouvé, je vais poster sur le forum pour expliquer ce que j'ai trouvé. Mais d'ici que vous voyez la vidéo, je l'aurai déjà expliqué. Voilà. C'est pas grave. Alors du coup, est-ce qu'on déménage ou pas? Bon, ça n'a rien à voir avec le bug, ça c'est autre chose, mais... On déménage où? Falloir enregistrer le terrain et tout. À moins que je refasse une maison, on vend les meubles et on va faire autre chose ailleurs. Ça peut être pas mal, ça. Allez, on va faire ça. Donc ça, faudrait peut-être que tu le gardes dans ton inventaire. Voilà. Discuter. Déménager. Je sais pas où on va, par contre. Où est-ce qu'on peut aller? C'est une bonne question. Fond. Ah bah du coup, ils t'ont pas proposé de vendre les meubles ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on reste ici? Je crois que là-bas c'est vachement joli. Et je crois que j'ai jamais vraiment habité là-bas. J'y suis passé pour des constructions ou des challenges, mais j'ai pas vraiment habité. Là j'y ai habité pour le challenge repeuplement. Willow Creek, j'y suis un peu trop allé. Et Newcrest, bah y a rien, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, c'est dommage, non, c'est vachement pratique pour toutes les constructions qu'on peut faire, mais là ça ne sert pas à grand chose, donc ça va être très vide et.
Et je connais pas mal en fait. Allez, on va aller là. Ça vous fait 21. Alors, ben, pour le coup, la vidéo, ça sera surtout construction. Oh, ils ont mis un berceau rose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Qu'est-ce que j'ai pas l'habitude de faire comme construction? Il est vachement grand terrain. Ah, c'est là que j'ai fait le truc des îles. Qu'est-ce qu'on va faire comme... J'aime bien faire des maisons je sais plus parler déjà. Biscornues, c'est-à-dire qui est bon, déjà des grandes maisons, plein d'espace, mais qui ont une forme complètement improbable. Donc des machins qui font, je sais pas, pic, 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 voilà, bref. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aime bien avoir beaucoup de terrain dehors aussi. De toute façon, on va déjà poser les murs. Pour ce qui est de la déco, bah, ça va se faire vraiment petit à petit. Et évidemment, ce sera... Je sais pas si ça vaudra bien le coup de montrer ce qu'on fait à l'extérieur. Je sais pas. Il faudrait peut-être d'abord faire l'intérieur. C'est vrai que j'ai l'habitude, quand je fais des constructions de A à Z, de d'abord faire l'extérieur. Puisque au moins, ça s'est terminé, c'est établi. C'est voilà, il y a un style qui se fait. Et après, je peux m'attaquer à l'intérieur. J'ai pas l'habitude de faire l'inverse. Quoique chez les colorés, c'est moite-moite, hein. J'ai quand même posé les bases de l'extérieur avant de m'attaquer à l'intérieur, mais je suis en train de remplir l'intérieur sans avoir fini l'extérieur. Si vous me suivez, c'est très bien. Là, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai compris, mais c'est pas grave. Repassez-le. un truc comme ça... Non, je fais trop comme ça. Si je fais juste... Comme ça. On va faire un truc. Alors. Non, on va tout monter déjà. Je pense que je vais essayer de faire pièce par pièce. Je fais vraiment au feeling. Ça a toujours été comme ça. Oula. Non, non. Je vais user tout l'argent dans les murs. Alors généralement, c'est comme ça que je fais. Je procède d'abord... au fait de poser les murs, enfin oui, je pose d'abord les murs et ensuite donc je passe souvent beaucoup d'argent dedans et puis après je remplis au fur et à mesure selon le budget que j'arrive à avoir. Oui, c'est très grand, c'est n'importe quoi, mais là je vous dis, je fais vraiment au feeling. Voilà, ça me plaît pas là. Oula, qu'est-ce que je fais? Ah, t'es pas. Hop. Sais pas pourquoi j'ai foutu des murs comme ça là, mais. Ça me plaît pas trop. Est-ce que je fais une entrée ici? Ou alors, je fais une énorme entrée. Alors, combien il y a de carreaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va faire une grosse entrée. Ça me plaît. Voilà. Bon, les murs intérieurs, c'est absolument pas ce qui va rester, hein.
Je sais pas du tout comment je vais organiser ça, c'est juste que j'ai foutu des carrés, et puis voilà. Ensuite. Comment je fais pour le devant? Je sais vraiment pas ce que je suis en train de faire. Mince. Ah, pourquoi je vais trop loin? Qu'est-ce que je fais pour le devant? Le devant, le devant. Si je sais, je vais essayer de faire un truc. J'ai des idées soudaines. C'est un peu n'importe quoi. Hop, voilà. Donc, déjà, on a notre base. Maintenant, on va juste mettre les toits. Je sais pas si je mets les toits maintenant. 5000. Alors, non, on va pas mettre les toits. On va déjà leur foutre le strict minimum. Pour qu'ils puissent vivre. Alors, cuisine. On va tout foutre dans la même pièce. Ça va être vraiment le minimum syndical. Hein. Comme l'ancienne maison. Genre une table de camping. Vraiment des trucs. Alors. Voilà, on s'en fout de la couleur même. Ah, voilà. Hop. Mince. Bleu, magnifique. Allez. On va mettre 36 piges plus loin. Voilà. Là, il n'y a rien besoin d'autre. Si on va mettre une poubelle pour dehors. Combien elle coûte? Ah, c'est cher quand même. Elle est où la boîte aux lettres? Là. Si jamais je rappelle le réparateur qu'il n'aille pas à perpète les oies, comme l'autre. Alors, pour les chiottes, on va foutre ça là. On va même en mettre deux pour le moment. Bon, je pense pas que ça règle quoi que ce soit à notre problème de gêne là. Surtout que les murs, ils sont bien finis. Je sais pas, peut-être que j'avais un problème avec l'autre maison. On verra si ça va changer. Hein. Voilà. Des lits. On va mettre le lit de maman ici. Alors attendez, combien ça coûte? 250. C'est sans plus cher, on va mettre des lits doubles hein, pour les enfants. Voilà. 1, 2. Pour l'instant, ils sont 4. Il n'y a pas besoin de plus. On verra quand le 9 décidera de popper. J'espère que tu es contente. T'es juste à côté de la cuisine, les bonnes odeurs. Ou alors je le mets là dans le fond. Ah ouais! Alors, combien ça coûte un couffin? Bon, non, non. Je veux pas dupliquer Neneve, je veux dupliquer le couffin. 150. Hop, dans l'espoir fou où il y aurait des triplés. La prochaine fois. Donc, il nous manque une table. Eh ben, tant pis, précieuse chanifie. Non, ça va pas être possible de vivre sans la chaîne ici. Qu'est-ce que je fais? Je casse des murs. C'est con, maintenant que j'ai posé les bases, j'ai pas envie de les casser en fait. Donc, une table, on a dit.
Il n'y a pas la table avec les chaises là. C'est celle de dehors. Là, c'est celle-là la moins chère. Non, 225. On paye moins cher. Non. Alors, hop. J'ai toujours démarré mes legacy comme ça. Alors ça, c'est pas un legacy, mais là, ça fait rire un peu. Bah si, mais sans bébé, j'ai commencé comme ça aussi. Deux, il n'y en a pas besoin. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Divertissement 2, 4. C'est dommage. Qu'est-ce que j'oublie à part ça? Les portes. Pétard. On va vendre la... Voilà. On va peut-être déjà mettre les portes. Ça sera plus important. On va mettre des portes de base. 450. Oh, garçon. 50. On va mettre ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas besoin de plus. Les fenêtres. On va mettre des lumières simplement. Là, je commence toujours comme ça. Hein. C'est très, 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 très précaire. Nombre de sol. Attendez, est-ce qu'il y a moins cher? Moins cher, pour l'instant, c'est 50. 30. Là, j'ai 30. Cinquante, 35, 30. Là, j'ai 40. Ok, donc le moins cher, c'était monsieur qui fait peur. On va mettre ça de partout, c'est mignon. Hop. Ta-da-dam. Ben ça, à la base, on s'en tape un peu, en fait, vu que vous allez dormir. Voilà. Je sais pas ce que ça va rendre en jeu, hein, mais... Il faudrait peut-être mettre un truc... C'est trop éloigné. On va mettre un machin qui pend, au moins un. Moins cher, c'est 70, sérieux. Voilà, ça on s'en tape, ça aussi. Ben voilà, donc on va peut-être pouvoir même en enlever une. Voilà, faites voir. C'est bon, c'est éclairé. C'est la mouise. Donc, qu'est-ce qui manquait? Éventuellement, ça. Donc, à choisir... Divertissement 2, ah ouais, non, c'est même la télé qui montrait plus vite. 5, ah oui. On va mettre une télé, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Bon, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ah bah non, il manque un chevalet. On peut pas gagner d'argent sans chevalet. Oh, on a perdu le jardin aussi. Bon, on n'a plus rien. C'est pas grave. Alors là, j'ai complètement zappé. Hein. Pour le coup, ouais, c'est pas grave, hein, on refera le tour. De toute façon, là, ça va pousser. Il y a au moins deux ou trois variétés ici, je crois. Pff, n'importe quoi. Bon. Le problème, c'est qu'il faut quand même un chevalet. Sinon, on va pas du tout pouvoir bouger. Combien c'est? Il est où le premier? Là. 350. On n'est pas loin en plus. Ça sert à rien que je vende une lumière en fait. Qu'est-ce que je peux vendre? Berceau, pour l'instant, il n'y a pas besoin de plus. On achète le chevalet et là ça va être vraiment toile sur toile sur toile. Voilà. Hop, magnifique. Bon.
Et du coup, ils ont réactivé l'autonomie ou... Faut croire. Hop. Alors, madame, on va voir si ça change quelque chose. Non, t'as même pas besoin de te laver, toi. Ah bah si, on a tout ça. On va pouvoir replanter, en fait. J'avais oublié que ça se transférait, ça. Toi, t'as besoin. On va faire le test tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, à chaque fois, bah, je lavais les mains, c'est vrai. Bon, ben on rajoutera des... Ah bah voilà, le bug est parti. Bon, moi j'ai râlé pour rien, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour rien, dans la vidéo précédente et au début de celle-ci. Je suis fortement navrée, cher Jean. Ah mince, il finit celui-là. Et tu vas regarder la télé en même temps. Alors, humour. Toi, tu vas faire des toiles, mais genre en masse. Ah oui, il va falloir les payer les toiles. Combien il en reste? 6, ça va. Oh, tout ce que. Comment c'est vachement bas, toi? Je suis navré. Non, toi, il n'y a pas besoin de ça. Allez! Mais je t'avais pas fait manger, toi? Oh pétard, tu vas faire la chaise musicale? Ah non, j'ai cru. Logiquement, c'est censé être arrêté avec le patch. Ça. Alors. Bon, c'est mignon, mais je te vendrai. Mais t'es pas allé faire pipi, toi? Ah oui, c'est vrai, quand on met les actions et pipi et manger, ça s'annule. Oh là 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 là. Il y a un truc qui est en conflit. Alors. Vendre. Bon, bah, c'est déjà ça. Nourrir, bercer, puis dodo. Bon. Voilà. Et ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. À combien elle en est? Deuxième trimestre dans 8 heures. Eh ben, l'autonomie, elle est réactivée, c'est pas possible. Attendez, je vérifie. Bah non, c'est bizarre. D'accord. Donc voilà, je suis navrée pour cette vidéo un peu foireuse. J'ai râlé beaucoup dans la précédente, mais dans celle-là, j'ai râlé et construit. Ça n'a pas été très 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 passionnant, je suis navrée. Ça ira mieux la prochaine fois, j'espère. Et puis, ben voilà, on se retrouve. si vous en avez pas marre de moi, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, évidemment, partager, aimer, on sait jamais, hein. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!